Yo les amis, Porto 95 Gaming, nous revoilà pour un petit glitch sympa, God Mode, à tester avec précaution. Amusez-vous en session, sans tuer tout le monde bien sûr, pour éviter de vous faire striker. Donc allez, c'est parti pour la manip, ça, on aura besoin juste du bunker et de l'arena, d'accord? Donc c'est parti, il faudra aussi une activité récente, mais là tout d'abord on va demander une activité. On va appeler Martin. Donc on va appeler Simone pour changer. Vous demandez l'activité. Et là, la manip, c'est comme pour le merge des voitures. Quand vous appuyez sur Start, vous laissez appuyer sur Start et vous relâchez Start et vous appuyez sur Croix. C'est exactement la même manip qu'on va faire. Donc là, Simone, j'ouvre en grand. Je maintiens Start enfoncé. Je relâche Start. Là, je suis en train d'activité, c'est pas bon. Donc le menu Options s'ouvre et en même temps vous entendez un petit bruit, un petit ding. Ok les potos, allez c'est parti. Simone, je maintiens Start enfoncé, je relâche, croix. Voilà, je suis ici, on a tombé le petit ding. Et là ce que je vais devoir faire, je vais devoir quitter et spammer rapidement le bouton flèche de droite. Donc là je suis dans l'activité, je fais rond. Mais on s'est mal bugué, on a la carte, donc c'est parti. Il faut vraiment faire bien la manip start, croix, c'est le plus important. Allez, start, croix, voilà, ça m'a l'air pas trop mal. De là, on se prépare à spam flèche droite, rond, tac, 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 on spam. Voilà, c'est ça qu'il faut voir les potos. Vous avez vu le téléchargement. Et de là, normalement, quand je vais quitter, j'aurai plus la carte. Voilà, là je suis bugué. Donc arrivé à ce stade là, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc là les amis, ce qu'on va faire, vous allez appuyer une fois sur L1. Ok. Vous appuyez une fois sur L1. Voilà, c'est fait. Et là, ce qu'on va faire, on va faire start. Vous allez faire en ligne. On va aller dans activité. Au préalable, c'est là où on va avoir besoin d'une activité récente, d'accord? Mission, là je vais lancer un travail de titan. À peine je vais lancer, je vais avoir un écran noir. Il faudra spammer le bouton carré, très important, afin d'avoir un autre chargement avec un écran noir. Et pour se débugger de l'autre écran noir, on fera une activité récente. Allez, c'est parti. On valide et on spam carré. On spam, on spam, on spam, on spam, on spam, on a un chargement. Voilà, c'est ce qu'on voulait. À peine vous avez ça, je pense qu'après, on peut lancer l'activité récente. On va online et vous refuser. Voilà, aussi simple que ça, d'accord? Donc ensuite, les poteaux, il faut courir le plus vite possible vers les machines, celles où il y a les sodas, ok? Vous courez, on va ouvrir le téléphone. Vous ouvrez le téléphone et vous mettez sur les jobs rapides. Ça a pour but de faire disparaître votre joueur. Vous faites ça, les flèches de droite. Voilà, dans les passe-temps, activité rapide, c'est pas ici. Se dépêcher sur ça. Voilà, vous avez dans les passe-temps, vous avez vu, mon joueur a disparu. Donc là vous allez voir votre téléphone, il est bugué, vous pouvez pas y faire start ou quoi que ce soit, ce qui fait que soit vous attendez un peu, si vous voyez que ça vous semble trop long, vous lancez une activité récente et de là vous attendez, votre joueur il va réapparaître. Voilà, votre joueur il réapparaît. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller chercher une voiture. On va monter dans une voiture que vous avez dans votre arène.
et vous allez faire R2. Ça a pour but de nous faire tomber en voile brèche sous la map. Donc là, normalement, vu que l'arena est liée au mont Chiliad, vous apparaissez au mont Chiliad. De là, vous mettez en secure reserve et vous demandez un buzzard d'attaque. Ok. Et là, on va se diriger au bunker. Donc les poteaux, on se retrouve au bunker. Une fois arrivé au bunker, ça va être très simple. Une fois qu'on sera en bas, on va se diriger vers la porte et vous aurez le message sortir du bunker. Vous le validez, il n'y a rien qui va se passer. Donc ce qu'il va faire, il faudra aller dans pavé tactile, inventaire et vous demander le RC Bandito. Il faudra aussi le RC Bandito pour faire le gun mode. Donc on se dirige vers la porte, comme je vous l'ai dit, vous faites quitter le bunker, il n'y a rien qui se passe. De là, vous faites pavé tactile. Vous allez dans inventaire. Et vous demandez votre RC. De là, on va voir un petit écran noir avec un chargement. Si vous voyez qu'il est trop long, pareil, vous rebalancez une activité récente, ça va vous faire apparaître dans le RC. Et une fois que vous serez dans le RC, il faudra faire triangle pour sortir du RC. Donc vous voyez, j'ai fait activité ascente, on se voit un peu buggé comme ça. Je vais avoir un écran noir et je vais apparaître dans le RC. De là, j'appuie sur triangle. Vous avez vu, ça c'est la chaîne des spectateurs qui s'est mise en route. Et j'apparais ici. Donc de là, pour finaliser le glitch, je me remets en secure reserve. Normalement, vous l'êtes déjà. Et vous appelez un buzzard. Et cette fois-ci, on va devoir aller à l'arena. Donc on se retrouve à l'arena, les poteaux. Donc, une fois à l'arena, ce qu'on va devoir faire, on va devoir ouvrir son téléphone et lancer une activité. Vous savez, c'est une activité cette fois-ci où c'est écrit RP et dollars. D'accord, ça c'est la phase finale, c'est pour avoir la carte et pouvoir avoir les armes. Ok. Donc vous allez dans les activités, vous voyez, il faut prendre celle où c'est écrit RP. Que ce soit Simone ou Martin, il faut absolument que ce soit écrit RP. Donc de là, on va la lancer et la quitter. Vous voyez, arrivé en invisible. Donc de là, vous quittez l'activité et normalement, le tour il est joué. On est en gun mode. Donc là, je spawn dehors. Voilà, on pose une petite grenade.
Voilà, le God Mode est activé. Ok. Donc les potos, je vais vous laisser sur cette fin. Profitez un peu de ce glitch, n'abusez pas trop. Question que les joueurs ne vous excluent pas si vous voulez pas finir aussi en session pour un mauvais joueur. Donc faites-le pour vous défendre ou pour vos amis. Sur ce, les potos, je vous dis à très très bientôt.